Sachez également que le ministre de l'Économie et de la Planification relève que chaque responsable a l'obligation de rendre compte à sa hiérarchie et surtout à l'inspection générale d'État. Suivez un extrait. Après 6 mois de délai donné aux responsables des stations de service pour se conformer aux normes sécuritaires, l'ARSAT, autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad, passe à l'action. 63 stations de service démolies sur un total de 200 stations identifiées. Et c'est conformément aux dispositions du décret 399 du 15 janvier 2015 fixant les conditions d'exercice des activités du secteur pétrolier aval et ses arrêtés. Cette opération de démolition vise à assainir le secteur pétrolier tchadien. C'est une obligation pour nous. Le gouvernement est renforcé dans cette position par une résolution de l'Assemblée nationale du 1er juin 2015. Donc nous avons l'obligation de nous conformer, faire de sorte que les stations et ça ne puissent pas être des dangers pour la population. Et donc c'est pour des questions de sécurité, questions d'environnement que le gouvernement est sous l'égide de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Nous sommes donc mobilisés pour assainir le secteur pétrolier aval, faire de sorte que nous puissions avoir donc des entreprises aux normes. Au sujet des délivrances des autorisations de fonctionnement de ces stations de service, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Béchir Madé, clarifie la situation. Ils ont pris des autorisations provisoires, ils ne sont plus jamais revenus, on n'a pas évalué la qualité technique de l'ouvrage et on s'est retrouvé avec plus de 200 stations à N'Djamena. Et donc le gouvernement est mobilisé, engagé pour assainir ce secteur. Cette opération ne s'arrêtera pas seulement au niveau de la capitale. Elle sera intensifiée sur l'ensemble du territoire national pour préserver la sécurité de la population. Vous l'avez constaté, c'était plutôt les 63 stations de service implantées dans la capitale qui sont en train d'être démolies compte tenu du non-respect des normes sécuritaires. Et la cérémonie a eu lieu ce matin sous la supervision du directeur général de l'autorité de régulation du secteur pétrolier du Tchad et le ministre du Pétrole et de l'Énergie.